Donc, bonsoir à tous, bienvenue à ce cercle Saint-Honoré. Donc, après avoir reçu Christophe Diques la semaine dernière, qui nous a parlé de Saint-Pierre, et avant de recevoir Jean-Marie Guénois, qui nous parlera du pape François et de sa révolution, nous sommes très heureux d'accueillir le père Michel Viau, qui va nous parler des papes et de la France. Nous aurons également en novembre Pierre Jova, qui viendra nous aider à nous questionner sur « Est-il possible de programmer sa mort ?» Et en décembre, Pierre Manant, qui nous parlera de Blaise Pascal. Voilà, avant de laisser la parole à Arnaud pour sa présentation plus précise de ce soir, je vous rappelle que la sortie se fera par votre gauche. Il y aura une quête également, nous vous demandons de participer à hauteur de ce que vous pouvez. Vous pourrez également laisser votre adresse mail afin d'être prévenu de chacune de nos conférences. Les conférences, sinon, elles sont annoncées sur le site paroissial. Et également, quand vous ne pouvez pas venir, les conférences sont filmées afin que vous puissiez les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube Cercle Saint-Honoré. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Voilà, il y aura à la fin de la conférence quelques questions rapides, une courte prière et ensuite une dédicace de livre qui se déroulera dans la chapelle du Calvaire. Voilà, et vous aurez la possibilité d'acheter une petite bière à 2-3 euros pour continuer à parler de la soirée. Je vous souhaite une bonne continuation. Mon père, monsieur l'abbé, merci infiniment de venir ce soir au Cercle Saint-Honoré pour donc, comme l'a dit Yann, notre second volet sur le pouvoir pétrinien. Après Christophe Diques et avant Jean-Marie Guénois, nous allons nous intéresser aux 264 papes entre Saint-Pierre et François Ier, sous l'angle de leur relation avec notre chère patrie, fille aînée de l'Église et de la Convention, comme le chantait Sardou. Monsieur l'abbé, vous êtes né l'année du débarquement en Normandie, et le moins que l'on puisse dire, c'est que, selon le proverbe, avec vous, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Baptisé catholique et touché à Lourdes par Lourdes quand vous étiez enfant, en mai 68, printemps de toutes les folies, vous devenez pasteur dans le Marais, puis évêque luthérien, et vous aggravez votre cas, puisque toujours en 68, vous devenez franc-maçon au Grand Orient. En 1987... Pas le Grand Orient. Pardon ? Pas le Grand Orient. Alors, la Grande Loge. La Grande Loge, pardon. Vous pouvez nous expliquer ça dans la troisième partie. Vous serez interrogé là-dessus. Désolé. En 1987, vous initiez Robert Boulin, ça c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez des révélations de vous faire sur sa mort. Et vous atteindrez le 31e degré dans l'ordre du rite écossais ancien. Le protestantisme libéral vous déplaît. Vous accusez les luthériens de zwinglisme. Alors, je me rappelle vaguement mes cours de fac sur le zwinglisme. Et vous les accusez de ne plus croire en la Trinité et même de permettre à des laïcs de donner la communion. Ce n'est pas ici que l'on verrait ça. Surtout votre amour pour Notre-Dame vous protège et le 28 juin 2001, vous abjurez et rejoignez la Sainte Église pour finalement être ordonné prêtre en 2003, incardiné à Blois. Vous êtes le premier évêque luthérien à redevenir catholique depuis 1517. L'Église ne vous a pas encore fait évêque. Peut-être qu'il aurait pu rester en dehors de l'Église pour faire carrière. Mais vous célébrez selon les deux formes du rite latin. Vous êtes aumônier de la paroisse des funérailles à Blois, patron d'émission à Radio Courtoisie, membre du club des hommes en noir de l'Homme Nouveau, et vous avez un blog à votre nom. En 2021, en homme libre, vous dénoncez l'arnaque du rapport Sauvé, ce qui vous coûte votre participation à Radio Notre-Dame. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des Arts et des Lettres, commandeur de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Vous êtes un auteur prolixe, dont l'œuvre illustre bien votre parcours spirituel, ainsi que l'évolution de vos éditeurs. En 1975, vous publiez « Chrétien sans religion », préface de Lupo Wells. En 1995, c'est « Franc-maçon qui croit en Dieu », édition du Rocher, collection Pierre Philosophale. « Le vrai et le faux, comprendre la pensée de Benoît XVI », préface de Monseigneur Di Falco en 2009, de Luther à Benoît XVI, itinéraire d'un ancien franc-maçon, l'Homme Nouveau en 2010, avec l'abbé de Tannoy, la Révolution chrétienne en 2012, 2013, les fondements bibliques de paternité et de maternité, préface de Monseigneur de Germigny chez Via Romana,
Dieu et l'État, signification de la fête du Christ-Roi, préface de Mgr Hayet, Via Romana. À l'écoute de la Bible, homilie dimanche et fête, année A et B, préface de Mgr Minrat chez Arthez en 2013. 2014, Marie étoile de l'évangélisation, préface de Mgr Brincard, Via Romana. À l'écoute de la Bible, année B et C, Arthez 2014-2015. 2017, il y a quelque chose de pourri au royaume de France, Via Romana. Avec Odon La Fontaine, la laïcité mère porteuse de l'islam, préface de Rémi Brague. L'heure du royaume de France est-elle venue, préface de Jean Tullard. En 2018, chez Via Romana. 2019, sous le signe de l'Emmanuel, tome 1 et 2, Via Romana. 2020, la France a besoin d'un roi, Via Romana. Et 2022, le rapport sauvé, une manipulation, Via Romana. Via Romana, pardon. Et cette belle histoire des papes et de la France, toujours chez Via Romana. J'espère que Benoît Mancheron me fera un chèque pour cette publicité gratuite. Cet ouvrage qui vient de paraître est une somme. Dans sa préface, son excellence, le cardinal Barbarin, note « Le plus impressionnant dans cet ouvrage, c'est l'immensité de la fresque qui se déroule au fil des chapitres et des siècles. Livre d'histoire à l'ancienne, le choix, la couverture, le plan chronologique et factuel, sans polémique, en font un ouvrage, à mon avis, digne de toutes les bonnes bibliothèques tradies. » traditionnel, on va dire. Le récit du roman national devient, grâce à vous, le roman passionné du couple franco-romain que l'on peut lire au coin du feu, mais qui repose sur une solide documentation, notamment grâce au recours à des historiens de renom comme Jean-Christian Petit-Fils ou Jean Tullard. Et ce livre est utile, voire vital, car il rafraîchit nos mémoires. Au fil des pages, vous redonnez vie à nos racines, porteuses de fruits. Il est utile car il nous aide à vivre en même temps en catholique et en français, en chrétien, et donc en citoyen des cieux dans notre patrie terrestre. Le cardinal Barbarin, dans sa préface, continue avec ces mots « Le message évangélique rencontre d'innombrables obstacles et provoque de rudes violences, mais nous savons bien qu'il ne peut y avoir de déploiement de la grâce et du dessein de Dieu que dans notre patte humaine. » Eh bien, cette patte humaine, hic et nunc, c'est la France, notre France, une et indivisible, peut-être éternelle, mais c'est aussi notre Église, une, sainte, catholique, apostolique et assurément éternelle. Je me souviens que Mgr Ravel, évêque aux armées, lors de son intronisation à Notre-Dame et aux Invalides, comme évêque aux armées, devant le ministre et un parterre de généraux étoilés, avait déclaré en montrant fermement sa crosse épiscopale comme un bâton de maréchal, j'ai deux fidélités, Rome et la France. Et l'on m'a donné ce bâton pour ne pas tomber dans le gouffre d'incompréhension entre ces deux réalités. Eh bien, ce livre trace peut-être le lien entre ces deux réalités et ainsi nous permet de comprendre d'où nous venons, nous qui sommes membres de l'Église qui est en France et non pas l'Église de France, et d'éviter ainsi de tomber dans les hérésies gallicanes ou le dogmatisme ultramontain. Être catholique, c'est toujours faire l'équilibre sur un fil au-dessus du vide, ce gouffre entre Rome et la France, entre nos deux patries, entre nos deux étendards, entre le ciel et la terre, et si possible, répondre à cette interrogation qui résonne encore, celle de Jean-Paul II, qui avait réveillé tout un peuple. France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême et de ton alliance avec la sagesse éternelle? Cette alliance unique dans l'histoire humaine commence avec le sacre et se développe au long des siècles par le sang des martyrs et la sueur des saints qui ont façonné la France. Et Paul, pas l'apôtre, mais notre historien qui est derrière moi, s'intéressera avec vous dans un premier temps, dans un premier quart d'heure, à la nature de cette histoire d'amour entre la France et Rome. Ensuite, je viendrai vous torturer sur les raisons des crises du couple franco-romain et la nature du divorce. Enfin, Jean, notre étudiant maronite, viendra du Liban, il est surtout de la fac, mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore arrivé. Et vous posera des questions plutôt sur votre cheminement, mais comme c'est en oriental, les questions sont toujours imprévisibles. Donc, revenons au commencement. Il était une fois la France et la foi, avec Paul. Alors, France, fille aînée de l'Église, éducatrice des peuples, qu'as-tu fait des promesses du baptême de 496 ? Bonsoir, mon père, et merci d'avoir accepté l'invitation du Cercle Saint-Honoré pour parler de votre dernier ouvrage. Alors,
On va commencer par les bornes chronologiques que vous avez choisies pour votre livre. Vous avez choisi de borner votre récit à deux grandes figures de l'histoire de France, Clovis et De Gaulle. Alors Clovis, ça tombe sous le sens, puisque c'est celui qui commence justement cette relation entre la papauté et la France. Mais pour De Gaulle, moi je me pose la question, pourquoi vous avez choisi d'arrêter votre narration au général De Gaulle ? Eh bien, parce que je ne veux pas écrire de mémoire, je veux en rester à l'histoire. Or il se trouve que par, disons, ce qu'on a appelé les lignes courbes de ma vie, j'ai très tôt été mêlé à la politique, et on a bien voulu écouter mes conseils, notamment à partir de 1974, mais déjà un peu avant, sous l'ère Pompidou, voyez-vous. Et j'ai préféré m'arrêter donc au général de Gaulle, parce que c'est le dernier chef d'État, je dirais, ouvertement catholique, et dont j'ai pu parler en termes historiques, puisque je ne lui ai jamais parlé directement et je ne l'ai jamais rencontré. Les autres, c'est différent. Et je dis tout de suite que je n'écrirai jamais de mémoire, parce que on m'a dit un certain nombre de choses, j'ai été témoin d'un certain nombre de choses en tant que pasteur, parce que depuis que je suis prêtre, je ne me suis plus occupé du tout de ces questions. Oh, quelquefois, on me donne un coup de fil, bon. Mais c'est en tant que pasteur, donc en tant qu'homme d'église tenu par le secret, et je considère que j'ai rien à dire sur ces périodes-là. Ce serait pas moral de ma part, et ça n'apporte rien. Très bien. Et bon, on va revenir à Clovis dans ce cas. Et on va commencer par le début. Clovis, c'est un roi étonnant, c'est un roi barbare qui est entouré par une hérésie qui s'appelle l'arianisme. Tous les rois barbares ont fait le choix de l'arianisme, et là on a un roi qui fait ce choix étonnant de choisir le christianisme dit de Nicée, oui, et de soutenir en fait la cause de la papauté. Le pape, il est un peu captif du roi Ostrogoth, du roi Théodoric qui est arien. Alors selon vous, pourquoi Clovis il a fait ce choix, justement, du christianisme de Nicée ? C'est un choix qui est mûrement réfléchi. Vous savez, Clovis est un homme extrêmement intelligent, qui était non seulement un grand soldat, mais aussi un homme très volontaire et très calculateur, et qui savait, qui avait hérité ça de son père, Childéric, parce qu'il faut quand même bien voir que les Francaliens étaient quand même très liés aux Romains depuis très longtemps, qu'ils occupaient la Gaule au nord, la partie Belgique, et que leur frontière, si vous voulez, c'était Arras, Tournai, ces coins-là, voilà. Et normalement, ils ne descendaient pas plus bas. Hein. Bon. Mais ils étaient là depuis 340, à peu près. Hein. C'est tout de même important. Et ce qui caractérise ces Francaliens, c'est qu'ils vont se comporter en gardiens des frontières de l'Empire, mais en même temps un observateur très attentif de ce qui se passe dans l'Empire. Donc ça, quand on parle des invasions barbares, il faut être très clair. Ce sont des gens qui vont venir, d'abord parce qu'on les pousse de l'extérieur, derrière il y a l'histoire des Huns, mais aussi parce qu'ils ont en face d'eux une civilisation qu'ils admirent et qu'ils rêvent de poursuivre. Ils ne viennent pas pour détruire. Ils viennent pour s'instruire. Ils apprennent le latin, d'ailleurs. Pas le grec. Ça aura son importance. Le latin. Et donc, en fait, l'aventure commence avec Childéric, qui est très lié à l'histoire de Sainte-Geneviève. Et on ne dira jamais assez le rôle que Sainte-Geneviève a joué. Quand c'était son anniversaire de naissance, qui était un peu controversé, mais enfin peu importe, j'avais fait une conférence sur Sainte-Geneviève, maire de Paris, maire de la France. Et évidemment, on écrivait maire différemment à chaque fois, parce que Sainte-Geneviève, au fond, se promenait entre Nanterre et Lutèce. Et au fond, on a pu hésiter pendant un temps. Si Lutèce l'a emporté, c'est parce que Lutèce était un camp militaire romain, vous voyez, romain.
Il y avait donc déjà des routes. Et puis c'était le croisement pile entre la route du nord et la route de l'est et de l'ouest. Et Childéric avait... J'en viens tout de suite à lui parce qu'avant, il y a Mérovée. Alors Mérovée, il est à la fois... Il est très peu historique et beaucoup mythique. Mais alors pourquoi avoir pris le nom de chef de race d'un personnage qui n'est pas tout à fait historique et à moitié mythique? Ben, c'est tout le mystère. Lisez Joseph de Maistre. Il faut qu'il y ait du mystère à l'origine d'une dynastie. C'est ce qui fait son côté sacré. Il ne faut pas qu'on en sache trop. Voilà, côté mystérieux. Et donc on les appellera les Mérovingiens, non pas les Childéricains. Bon. Alors Childéric, son histoire est intéressante, parce que Childéric, lui, c'est un barbare. Contrairement aux autres barbares, il n'est pas devenu arien. Il est païen. Il est très copain avec Sainte-Geneviève. On peut se demander d'ailleurs pourquoi Sainte-Geneviève n'a jamais cherché à le convertir au christianisme. Parce que je pense qu'elle a vu en lui un homme qui était très habitué à commander, qui avait déjà un certain âge, et elle a craint qu'il ne devienne arien. Parce qu'être arien, vous comprenez, c'était pratique. On était à la fois le chef politique et le chef religieux. On totalisait le pouvoir. Bon. Alors, ils étaient très amis. Et, par exemple, pour bien montrer qu'il avait de l'ambition sur la Gaule, il va mettre le siège devant Lutèce. Mais c'est un siège très curieux, puisque Paris ne mourra jamais de faim. Il sera approvisionné par les bateaux de Geneviève, qui vont partir sur la Seine et sur la Marne. Geneviève était très riche. Elle était la seule enfant d'un couple gallo-romain d'origine franque, sans doute. Et c'est pour ça qu'elle s'entendait bien avec Childéric. Et donc, Childéric va servir la popularité de Geneviève en la laissant approvisionner Paris. Et Geneviève va se montrer très coopérative avec Childéric. Parce que Childéric, il va aussi avoir d'autres problèmes, notamment avec les Ariens. Alors, il va se comporter très bien avec les chrétiens, mais les Ariens, il les combattra. Il les combattra notamment parce qu'ils sont en Aquitaine, hein, avec les Visigoths, et puis il va y avoir en Italie, puisque vous savez qu'en 476, donc... C'est la chute de Rome qui est prise par Odoacre. Et le dernier empereur, Romulus Augustule, qui est un jeune homme, il échappe à la mort parce qu'il remet ses signes impériaux à Odoacre, qui est arien, c'est un goth arien. Et que fait Odoacre? Il envoie les symboles de l'Empire à Zénon, l'empereur d'Orient. Vous voyez le sens de la hiérarchie? Eh oui. Il tenait à avoir un pouvoir authentique. Bon, et donc c'est Zénon qui reçoit. Bon. Et Zénon, dans un premier temps, accepte, mais il voit qu'Odoacre est trop puissant. Et alors, pour se débarrasser des Ostrogoths avec Théodoric, il les envoie en Italie pour chasser Odoacre. Et Théodoric, lors d'un banquet de réconciliation avec Odoacre, l'assassine. Eh oui, et comme ça, il devient roi. Et à ce moment-là, l'empereur lui décerne le titre de patrice d'Italie. En fait, il le fait roi d'Italie. L'ennui, non. C'est qu'il y a... on n'est pas loin de ce sujet. L'ennui, c'est que Rome est en Italie, vous comprenez. Et alors, cet empereur Zénon, puis ensuite Anastase, ce sont des empereurs qui vont être très tentés par le monophysisme. C'est-à-dire, en disant, voilà, en Jésus-Christ, il y a un vrai Dieu, un vrai homme, mais l'homme, Dieu, c'est tellement plus important que l'homme que la nature humaine s'évanouit complètement. Et ça ne fait pas l'affaire du pape. Alors, d'un côté, le pape sait qu'il est menacé par Théodoric, qui, à la longue, pour l'instant, ça se passe bien, mais à la longue, il risque
de détendre son pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas non plus compter sur l'empereur, qui est à ses yeux hérétique, et il ne tardera pas à l'excommunier. Donc, Théodoric mourant, Geneviève va laisser passer quelque temps, mais elle va voir que Clovis, à 15 ans, devient roi des Francs, par acclamation. Ça ne fait pas un pli, tout le monde lui obéit. Quelques années plus tard, il épouse Clotilde d'une Burgonde catholique, et c'est là que Geneviève se dit, c'est le moment. Mais ce n'est certainement pas 476. Et la plupart des historiens pensent que c'est plutôt 508. Au fond, Clovis a eu la prudence de Constantin. Vous savez, Constantin ne s'est pas converti après l'histoire du pont de Milvius. Hein. Il a attendu d'être sur son lit de mort. Parce que les péchés après le baptême, c'était dangereux. Et puis, il y avait beaucoup de païens dans l'Empire. Et à l'époque où Clovis pense, il y a beaucoup, toute son armée est païenne. Bon, en plus, il a des enfants. Le premier enfant, c'est les mères qui décident en Germanie. Donc, Clotilde le fait baptiser, il meurt. Le deuxième enfant est baptisé, il tombe malade gravement, risque de mourir. Alors, ça va très mal. Certains disent, parce qu'on a abandonné le dieu des ancêtres, n'est-ce pas ? Et heureusement, il y a une guerre qui se dirige avec les Visigoths. Et Clovis, pour aller en Aquitaine, passe par Tours deux fois, à l'aller et au retour. Et le grand pèlerinage de l'époque, qui surclassait celui de Saint-Denis qu'avait lancé Geneviève, c'était celui de Saint-Martin. Et là, à Tours, il y avait des miracles sur la tombe de Saint-Martin. Autrement dit, le divin agissait sur l'humain. Et voyez-vous, ça c'est une réponse, double réponse contre les Ariens. D'une part, ça montrait que le divin pouvait coexister dans l'humain et même y agir d'une manière positive. Parce que les Ariens rejetaient la vénération des saints. Et c'est donc en revenant de cette bataille de Vouillé, la deuxième bataille, la première c'est Tolbiac, où il a dit, où il a fait sa promesse, il ne l'a pas tenue tout de suite. La deuxième c'est Vouillé en 507, et là il va défaire le roi des Visigoths, le fils Amalric va fiche le camp aux Pyrénées, Clovis va s'arrêter aux Pyrénées, il va remonter sur Tours puis Soissons, et c'est là qu'il demande à Saint-Rémy de le baptiser. Et il était prudent, il est baptisé avec 3000 de ses soldats. Voilà, sa garde prétorienne. Et avec ce baptême, si vous voulez, tout de suite, il a les évêques de Gaule avec lui, parce que les évêques de Gaule sont très catholiques, plus catholiques qu'on meurt, même à un moment donné, ils surveilleront le pape, parce qu'ils auront peur que le pape se laisse tenter par le monophysisme. Hein. Et donc, c'est aussi pour ça que Geneviève ne voulait pas que Childéric devienne roi et reste un roi arien, il ne l'aurait jamais admis les évêques. Tandis qu'un roi catholique, ça change tout. Et c'est là que l'idée va être lancée que cette race de Clovis, c'est la race de David, et que l'on va refaire une royauté comme dans la Bible, et ce que vont installer les Mérovingiens, c'est l'attachement de la couronne à une famille. Bon, restera encore après la question de la succession. Et c'est uniquement avec les maires du palais qui vont jouer un rôle important, parce que le dernier roi mérovingien à exercer le pouvoir, jusqu'en 669, c'est Dagobert Ier. Bon, mais après, on va parler des rois fainéants. Mais fainéant, donc, ne fait rien. Ouais. Mais c'est parce qu'on les laisse rien faire. Et ça, bon, alors oui, vous avez donc expliqué la conversion de Clovis donc, par l'influence conjuguée de sa femme, de Geneviève, et aussi il avait peut-être une répulsion pour l'arianisme par atavisme, avec ce que son père a été païen. Et j'ai lu, moi, dans votre livre, alors que moi j'aime bien cette identification, moi j'aime bien dire que Clovis c'est le nouveau Constantin. Il est le nouveau Constantin. Ben oui, il est. Si, c'est le nouveau Constantin, alors. Ben oui, il est le nouveau Constantin, vous avez raison. Constantin ne s'est pas converti tout de suite après la bataille de Milvius. Et de même que Clovis ne s'est pas converti après la bataille de Tolbiac. Il s'est converti après celle de Vouillé. Voilà. Il a attendu le temps nécessaire d'avoir, parce qu'il avait le sens aussi des réalités, d'un homme politique, il ne faut pas l'oublier, et un politique intelligent.
Bon, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis arrêté à De Gaulle, parce qu'après, ouais. C'est différent. Mais ces gens-là savaient calculer, vous comprenez. C'est ça qui est absolument étonnant, c'est de voir... Bon, alors, Clovis, il se fait baptiser avec 3000 personnes, quand même, de sa garde rapprochée, d'après Grégoire de Tours. Vous comprenez ? Bien sûr. Et l'assentiment des évêques, c'est avec les évêques qu'on met en place cette idée d'une royauté familiale. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire encore, c'est la question de la succession. Alors, avec Clovis, justement, moi, faut me préciser, la France, elle a hérité du titre de fille aînée de l'Église. Alors, ce titre de fille aînée de l'Église date de Clovis, ou ça s'est non, précisé c'est pas plus Clovis, tard. Justement, il faut attendre Pépin le Bref pour qu'il y ait un premier signe. Parce que, je vous l'ai dit, les Mérovingiens, à partir de... Le problème de Dagobert, c'est pas compliqué. Au moment où il meurt, son fils a 4 ans. Tout est là. Il aurait eu 15 ans, comme l'âge, comme Clovis, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de roi fainéant. Mais il a 4 ans. Et donc, c'est maman qui va... Ah oui, mais maman, elle s'y connaît pas trop. Et elle appelle... Et l'aristocratie franque voyait quand même d'un drôle d'œil... tout ça, cette famille, pourquoi cette famille et pas moi? Vous comprenez? Se pose le premier grand féodaux. Bon, alors à ce moment-là, on met un maire du palais. Et c'est le maire du palais qui fait tout. Et puis, surtout, on considère que ce royaume, c'est comme un domaine. Il y a 3 fils, 4 fils, on partage en 3, on partage en 4. Il n'y a pas le droit d'aînesse. Et ça ne peut pas marcher pour faire une nation. Alors, pour rester sur la papauté, oui. Et la France, donc vous me dites que fille aînée de l'Église, ça s'est fait avec Pépin le Bref, oui. Quand il a défendu le pape, mais de fait, le titre de très chrétien, c'est un autre grand titre que le pape décerne au roi de France et qui fait cette union entre la France et la papauté. Le titre de très chrétien, il date aussi de cette époque? Après Pépin le Bref. Après Pépin le Bref, mais déjà, on peut dire que c'est dans Pépin le Bref, parce que, moi j'en viens tout de suite à Pépin, vous comprenez, tous les maires du palais... jamais ne se sont fait roi. Celui qui aurait pu... Il y a eu plusieurs maires du palais, puisqu'il y avait des partages. Bon, celui qui aurait pu, c'est Charles Martel. Parce que Charles Martel va tout de suite comprendre ce que les empereurs d'Orient, qui ont vraiment été nuls, et c'est pas étonnant si l'empereur d'Orient, si Constantinople, et maintenant c'est la Turquie. Hein, Charles Martel, il va comprendre tout de suite que les gens qui... Il ne faut pas oublier que tout le Maghreb, jusqu'au 7e siècle, était chrétien. Et il est musulman, et l'Espagne aussi. Et quand il voit remonter les armées d'Andalouse, avec le gouverneur d'Andalousie, qui arrive jusqu'à Bordeaux, qui pille Bordeaux, qui incendie Bordeaux, à ce moment-là, il réunit, c'est ça, un, il lève une armée de 20 000 hommes avec ceux du duc d'Aquitaine, de Eudes. Il s'arrange aussi pour mettre Eudes plus en avant, comme ça il y a plus de tués du côté des gens du duc d'Aquitaine et moins du côté des siens. Parce qu'il entendait tout récupérer après. Et c'est astucieux. Puisque la bataille va se dérouler de telle façon, eux, ils vont être 20 000, les autres sont 25 000. Et ils vont pratiquement en tuer les deux tiers. C'est la fameuse bataille de Poitiers en 732. L'Aquitaine, c'est fini. Elle est sous la domination de Charles Martel. Et Charles Martel voit mourir le roi mérovingien. Et ne le remplace pas. On se dit, tiens, il va prendre la couronne. Il fait élire ses deux fils, maires du palais, Pépin le Bref et Carloman, qui eux font pareil, ne mettent pas le roi mérovingien, mais au bout de 2 ans, on conteste leur légitimité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un couvent où il y avait un roi mérovingien, on le sort du couvent et on le met sur le trône. Vous voyez? Mais c'est un coup de maître. On récupère la légitimité, et c'est là que Pépin le Bref écrit au pape Zacharie pour lui demander une consultation théologique. Qui doit être roi? Celui qui gouverne vraiment ou celui qui exerce le... Celui qui porte la couronne, on ne sait pas trop pourquoi. Et le pape lui dit, c'est celui qui gouverne vraiment. Et au moment où il y a cette consultation, il est menacé par les Lombards. Et c'est la raison pour laquelle son successeur, Étienne II, va faire le voyage auprès de Pépin le Bref, et qui vont s'arranger, et qui va rester 6 mois en Gaule, et qu'il ira à Saint-Denis
sacré une deuxième fois, parce que Pépin le Bref, dès qu'il a reçu la lettre de Zacharie, il s'est fait sacré à Soissons par Boniface, l'archevêque de Mayence. Et ensuite, quand Étienne II est venu, il dit « Venez donc avec moi à Saint-Denis ». Et là, il a été sacré avec ses deux fils, le futur Charlemagne et Carloman, et la reine. Et c'est là que le pape lui a dit « Tu es mon compère spirituel et tes enfants sont mes enfants spirituels ». Et c'est là que les rois deviennent fils adoptifs de Saint-Pierre et que du coup, comme Pétronille était la fille adoptive de Saint-Pierre, Sainte Pétronille devient la patronne de la France. C'est là. Alors oui, donc c'est cette union, cette fraternité presque épiscopale entre le pape et la France, ça se manifeste bien dans le sacre. Et c'est là qu'il y a le sacre, effectivement. Alors les moments du sacre qui montrent justement cette union entre le pape et la France. Voilà, c'est là qu'intervient une cérémonie spéciale du sacre, mais retenez bien, de quelqu'un qui est déjà roi, le sacre ne fait pas le roi. Le sacre légitime en quelque sorte. Il vient au secours de la légitimité parce qu'il n'y avait aucun lien du sang entre les Carolingiens et les Mérovingiens. Et d'ailleurs, les Carolingiens s'en souviendront, parce que, et plutôt ceux qui vont les remplacer s'en souviendront, parce que les Robertiens et les Capétiens se dépêcheront pour leur projet futur de faire des alliances avec les Carolingiens matrimoniales. Alors, moi j'ai pas beaucoup de temps, je pense, pour vous interroger, donc on va essayer de faire rapide et aller jusqu'à Vincent Auriol. Je vais poser deux autres questions. La réforme grégorienne, c'est un point important de l'histoire de la papauté. On sait que dans l'Empire, ça a été très mal reçu, dans le monde germanique, mais en France, ça a été bien reçu. Cette réforme grégorienne. Oui, ça a été bien reçu parce que c'était directement dirigé contre deux choses. Ça intervient, si vous voulez, au moment où les empereurs d'Allemagne, où l'Empire allemand, vous savez qu'à la suite du traité de Verdun, l'Empire de Charlemagne était partagé. Et qu'au bout de trois générations, la partie de Francie orientale va échapper aux Carolingiens et va tomber dans les mains des Saxons. Vous aurez un Conrad premier, puis ensuite les Othons. Et c'est là, avec les Othons, qu'ils vont avoir l'idée du Saint-Empire romain germanique et de concurrence avec les papes. Et ça tombe bien, si j'ose dire, pour eux, parce qu'à Rome, ça va très mal. À Rome, voilà, les femmes jouent un rôle très important dans l'Église, vous voyez, on n'a pas attendu aujourd'hui pour en parler. Ce sont elles qui font les papes. Ce sont leurs amants qui sont papes. Et le pape Jean XII qui va couronner Othon, il a 18 ans quand il le couronne. Et quand il a été élu pape, il n'était même pas prêtre. On l'ordonnait prêtre et évêque dans la foulée. Et ça a duré 60 ans, la plaisanterie. Et c'est la réforme grégorienne, c'est la réplique à ça. Et aussi au fait que les empereurs en ont profité pour imposer un clergé à eux, avec les investitures et tout le Bataclan. Donc, si vous voulez, la réforme grégorienne, en fait, c'est Grégoire VII, mais il y a au moins six papes dans le coup qui ont travaillé en équipe. C'est-à-dire que c'était des gens de la curie, et il y a eu un remarquable travail d'équipe pour arriver, justement, mais à ce qui était finalement une théocratie pontificale. Pour justement, et c'est là qu'il va aussi intervenir, parce que Othon avait réussi à placer ça, qu'on ne pouvait pas être pape sans l'autorisation de l'empereur. L'exclusive. Et cette exclusive othonienne, elle jouera jusqu'en 1903 pour l'élection de Pie X. Parce que Pie X, le cardinal Sarto, sera élu parce que François-Joseph d'Autriche mettra l'exclusive contre le cardinal Rampollin. Et c'est donc le patriarche de Venise qui, à sa propre stupéfaction d'ailleurs, et puis à celle de tout le monde, s'y attendait pas du tout, va devenir pape sous le nom de Pie X. Voilà. Donc je vais poser une dernière question, et on va faire un grand bond dans le temps, parce que en fait l'histoire de la France s'est fait d'union, mais il y a aussi beaucoup en fait de friction entre les rois de France et les papes. Donc ça c'est pas ma partie, c'est Arnaud qui va s'en occuper. Donc
on va après la Révolution, on sait qu'il y a eu un moment de froid entre la République et la papauté, et il y a un réchauffement des relations qui s'opère à partir de Léon XIII, où le pape Léon XIII va demander aux catholiques de se rallier à la République, et ça va perdurer, j'ai lu dans votre livre, jusqu'à Vincent Auriol et Léon Blum qui vont manifester leur sympathie pour la papauté. Vous pouvez nous en parler ? Ce que j'aimerais bien qu'on comprenne, se rallier Léon XIII ne prononcera jamais le mot de ralliement. C'est Jules Ferry qui en parlera du ralliement. Et puis ensuite, les adversaires de Léon XIII dans le monde catholique, qui sont très nombreux, à condamner le pape. Je me demande bien pourquoi il le condamne, parce que tout de même, il avait ses raisons. Le pape avait publié Rerum Novarum. Il voyait quand même depuis 1848 les ravages que faisaient les idées communistes dans le monde ouvrier. Et il tenait beaucoup à ce qu'on puisse appliquer Rerum Novarum et la doctrine sociale de l'Église dans des pays catholiques. Et c'est pour ça que Léon XIII va être l'homme qui va régler le Kulturkampf de Bismarck. C'est quand même à son actif. Hein, c'est parce que Bismarck, c'est le plus grand homme politique de la deuxième partie du XIXe siècle. Comprenez, les autres à côté, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Bon, Léon XIII va tout à fait s'entendre. Et ça va s'atténuer. Ça va s'atténuer. Et avec ce qui concerne les républicains, Léon XIII va aussi demander de se rallier au régime en place en rappelant que le concordat de 1801 avait été signé avec la République française, car Napoléon Bonaparte était le premier consul de la République française. Et donc, c'était un traité international entre la République française et le pape. Donc, il y a ce ralliement, ce qu'on a appelé le ralliement, mais en tout cas, qui fait qu'on demande aux catholiques de ne pas faire la politique de la chaise vide, c'est-à-dire de se faire élire député, d'être juge, d'avoir des responsabilités dans l'armée, enfin, de participer à la vie du pays et d'être pleinement... Alors, il y aura cet épisode terrible d'autour de 1905 qui est dû à l'affaire Dreyfus, que justement les adversaires de Léon XIII ne prennent pas assez en compte, ils ne se rendent pas compte à quel point la France de 1892 n'est plus la France de 1898. Vous comprenez, l'affaire Dreyfus est entre les deux. Il y a quand même ce fameux tableau, vous savez, qui représente deux familles qui sont en train de manger, ils sont à table, ils sont très bien, et puis tout se passe très bien. Puis le deuxième tableau, tout est cassé, il y a des gens qui ont les yeux au beurre noir, ils sont blessés. On dit, ils en ont parlé. Voilà, ils en ont parlé. Ben oui. Ça a coupé la France en deux. Et qui aurait pu penser aussi qu'un journal comme le journal La Croix des Pères Assomptionnistes prendrait la tête du mouvement anti-Dreyfusard et se proclamerait le journal le plus antisémite de France, hein, et entraînerait pratiquement toute l'Église catholique dans la lutte anti-Dreyfusard et anti-République contre l'État. À la limite, c'est une rébellion contre l'État. Et ça, c'est pas non plus admissible du côté catholique, à partir du moment où l'État respecte, et c'était le cas, puisque personne dans ces députés, même les anticléricaux, ils disaient toujours dans leur programme d'élection qu'ils allaient supprimer le concordat napoléonien, mais quand ils étaient au pouvoir, ils ne le faisaient pas. Hein, et on peut dire qu'il y a une lune de miel entre Rome et la France du temps de Jules Ferry, où l'ambassadeur de la République était le comte Béhème, qui était fait comte par Pie IX. Donc on ne peut pas soupçonner que ce soit quelqu'un qui soit franc-maçon ou qui soit proche de Jules Ferry. Non, il était ambassadeur. Et il n'y a jamais eu de problème pour une nomination d'évêque. Il y avait des consultations préalables, c'est-à-dire que le gouvernement faisait savoir au pape qu'il aimerait bien voir comme évêque, mais c'était officieux. Et puis le pape ouraillait ou disait non, pas celui-là, etc. Et après, on ne présentait au pape que les noms sur lesquels il était d'accord. Voilà, ça s'est passé comme ça, jusqu'à l'arrivée de M. Combes en 1902, en décembre 1902, où même Combes, d'ailleurs, ne voulait pas la séparation, parce qu'il voulait avoir la haute main, seulement il voulait appliquer strictement les articles organiques, voyez-vous. Et là, il est tombé sur un bec, parce qu'il y a le changement de pape, 1902, c'est avec Pie X et le cardinal Méry Delval, et là, évidemment, il a eu la main lourde aussi sur les congrégations, ça ne pouvait pas durer.
Et merci. Donc on va passer à ces moments de friction, de division et de conflit entre la papauté et la France. Oui, monsieur l'abbé, vous avez fait une très bonne transition avec le père Combes. Avant d'aller dans le détail, si j'ai bien suivi votre livre, on voit qu'il y a une alliance gagnant-gagnant dans le couple France-Rome. La France devient le bras armé de la chrétienté. En échange, Rome donne la légitimité au souverain. Et Maurras peut dire dans sa prière de la fin, jamais Paris ne rompit avec Rome. Pourtant, si. Oui, justement. C'est quoi le premier accroc, à votre avis ? Dans la longue histoire de l'Église, quelle est la première, avant 1905, avant la Révolution ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des petits signes d'accroc dans la cordée de la mariée ? Non, c'est incontestablement Philippe le Bel, mais ça fait plutôt du bien à la papauté. Il y a quelquefois des vaccins. Le vaccin Philippe le Bel a été très profitable à la papauté. Mais il était prévisible déjà avec Saint-Louis. Parce que Saint-Louis n'a jamais admis la politique et la théocratie pontificale contre l'empereur Frédéric II. Saint-Louis a interdit au pape Innocent IV de rentrer dans le royaume de France et d'y tenir concile. Il lui a permis de venir une fois pour aller à Cluny. Voilà. Et il lui a reproché de ne pas s'être occupé de la croisade. Alors, et d'en faire trop contre Frédéric II. En fait, à un moment, vous avez cette belle expression, vous dites « le trône et l'autel font chambre à part ». Est-ce que c'est ça le secret du couple réussi ? Ça fonctionne quand chacun est de son côté ? Oui, parce que l'alliance du trône et de l'autel, c'était pour dire que l'alliance du trône et de l'autel, c'est une affaire qu'après la Révolution. Mais autrement, on ne parlait pas de l'alliance du trône et de l'autel. Non, c'était une sorte d'union libre, si vous voulez. Avec quand même un pacte qu'on sera obligé de faire, parce que à cause du grand schisme et des désordres de l'Église, ce n'est pas la cause des rois de France, c'est les désordres de l'Église qui ont amené le grand schisme, et le fait que le roi de France sera obligé de sortir un texte unilatéral, donc la pragmatique sanction de Bourges de 1438, et que ça ne pourra pas durer, et que finalement François Ier signera avec un vrai concordat négocié avec Léon X, et un concordat qui va durer un moment, le concordat de Bologne. Mais en fait, donc, ce couple, il est en permanence en équilibre, dans un rapport de force. La question s'est posée entre Saint-Louis et Philippe le Bel. Et c'est Philippe le Bel qui en a eu assez. Voilà. Il a dit maintenant c'est fini. Il n'y a pas. D'accord. Moi j'avais l'impression que ça fonctionne quand chacun est de son côté, quand chacun a un pouvoir à peu près. Dans son domaine, un pouvoir un peu équivalent, et ça ne fonctionne plus quand l'un empiète c'est l'autre, quand le spirituel se mêle de temporel ou quand le temporel Alors, se mêle de spirituel. Alors c'est aussi simple, parce que regardez Louis XIV. Louis XIV, il a frôlé l'excommunication. C'est un problème quand même. Avec l'affaire de la Régale. Oui. Bon. Et puis, il a fait faire au pape des bêtises en insistant sur la condamnation du jansénisme. Il fallait condamner le jansénisme, c'était bien évident. Hein, Mais il ne fallait pas trop en faire, mais Louis XIV avait un côté mégalomane. Hein. Bon, et ça a du bon, ça a du mauvais. Il faut bien qu'un chef d'État soit mégalomane, mais pas trop. Bon, et en particulier, il ne faut pas qu'il empiète sur les pouvoirs du pape. Le pape avait suffisamment condamné le jansénisme. Louis XIV a voulu en rajouter une couche avec la bulle unigénitus. Elle n'a pas été enregistrée par le Parlement de Paris, ou de force. Et après, on est revenu constamment là-dessus, et c'est ce qui a créé le jansénisme parlementaire, doublé du gallicanisme parlementaire, et qui va vous faire au XVIIIe siècle un gallicanisme janséniste parlementaire qui n'aura plus rien à voir avec la religion, parce que vous pensez bien que les querelles sur la grâce efficace, ils s'en fichaient complètement à la fin du XVIIIe siècle. Ça vous prépare la révolution. Il y a un lien. C'est une nouvelle question, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On sent que. Enfin, c'est un beau fil conducteur, la question janséniste et la question gallicane dans le livre. Il y a même un moment où vous êtes. On a l'impression que vous êtes favorable à une église gallicane. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Est-ce qu'il y a un bon gallicanisme et un mauvais gallicanisme? Il y a un bon gallicanisme quand il est royal.
mais pas quand il est parlementaire. Mais pourquoi ? Théologiquement Non, mais parce que dans l'Église catholique est hiérarchique et vous ne pouvez pas avoir un pouvoir qui vienne par le bas et qui vienne par une assemblée ou par une majorité de voix. C'est complètement nul, ça. C'est anti-catholique au possible. Donc ça ne peut pas être. Vous avez dans le protestantisme, c'est la mort du protestantisme, c'est ce qui le tue, c'est ce qui l'a tué. Bon. Alors, j'en reviens donc. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est pour vous le bon gallicanisme ? Enfin, Eh bien, c'est contenu dans les serments du sacre. C'est-à-dire quand le roi nomme les évêques et que les évêques, il y a toujours des consultations, sont investis par une bulle pontificale et qu'ils ne peuvent pas exercer sans l'accord du pape. Voilà, il faut maintenir l'équilibre entre les deux. Que l'investiture canonique soit donnée par le pape, mais que vu le rôle, n'est-ce pas, les évêques, normalement, doivent jouer un rôle important dans la vie de la société. Le christianisme, si vous lisez la Cité de Dieu, il n'y a pas de séparation comme ça. Il y a une distinction du temporel et du spirituel. Mais il faut que le spirituel, il ait son influence sur le temporel. On ne fait pas du christianisme en chambre. On doit être chrétien dans la vie de la cité. Et donc, par conséquent, l'évêque qui est appelé à jouer un rôle capital dans le royaume, on ne peut pas nommer un évêque sans l'agrément du roi. En général, vous savez, les rois, quelquefois, ils étaient obligés de nommer des gens de certaines grandes familles, mais on veillait à ce qu'ils ne fassent pas trop de dégâts. Et en tout cas, je pense que les nominations n'étaient quand même pas mauvaises. On avait quand même la preuve. Enfin, vous le dites très bien plusieurs fois, d'ailleurs, l'enjeu pour l'Église, c'est son indépendance, que ce soit face au roi, face à la République ou face à l'ONU. Enfin, absolument. Le signe, souvent, c'est effectivement cette question de la nomination d'évêques, que ce soit en France ou en Chine à l'heure actuelle. Et on est arrivé avec le concordat de Bologne, parce que la pragmatique sanction, ça ne devait pas durer. Peut-être expliquer, parce que vous l'expliquez très bien dans le livre, mais tout le monde n'a peut-être pas lu le livre. Oui, vous savez qu'il y a eu un moment donné affreux où il y a eu deux papes en même temps, c'était le grand schisme, après la papauté d'Avignon. Il y en a même trois. On commence par en avoir deux, parce que tout simplement, et là, il y a un véritable problème, j'essaie de le poser, moi, je ne me permets pas de trancher, mais vous comprenez, le synode, le conclave, qui va se réunir et qui va élire Urbain VI à Rome, est un conclave qui a été absolument troublé tout le temps, toutes les heures, quelqu'un entrait pour dire « Alors, vous avez élu un pape ?» Et puis, il y avait la foule dehors qui hurlait « Nous voulons un pape italien !» Après, « Nous voulons un pape romain !» Et on sonnait le tocsin, et après le glas. Bon, et à un moment donné, il y a des cardinaux qui sont sortis, et on leur a dit, nous voulons un pape romain. Vous l'aurez. Nous le voulons ce soir. Alors, c'est là qu'un des prélats, je donne son nom, dit, oh, moi je préférais, je vais élire même, j'élirai le diable pour partir le plus vite possible d'ici. Et d'ailleurs, un des cardinaux du conclave avait commandé 700 lances qui entouraient le château Saint-Ange. Et dès qu'ils ont voté, parce qu'ils ne savaient pas pour qui voter. Ils n'ont pas pris quelqu'un du Sacré Collège. Ils se sont dit, voilà, il y a un vieil archevêque là, qui joue les utilités, il porte les papiers d'un bureau à l'autre. Bon, on va l'élire lui. Ah ! L'autre, celui qui a dit qu'il voterait pour le diable même, ben, il ne croyait pas si bien dire. Parce qu'ils vont élire Urbain VI. Et cet Urbain VI, à peine élu, lui que. Qui espèce de figurant majordome, va devenir un tyran épouvantable. Il va faire emprisonner des cardinaux, les faire torturer, en faire mettre à mort 5 à Gênes. Enfin, et c'est là qu'il va y avoir un autre conclave à Fondi qui va élire Clément VII. Et le roi Charles V, qui était un de nos plus grands rois dans la dynastie des Valois, quand on va lui raconter la façon dont ça s'est passé pour Urbain VI, il dit, mais ce conclave n'était pas libre, moi je ne reconnais pas cette élection. Et je reconnais Clément VII. Clément VII a voulu aller à Rome, on lui a interdit. Il est allé à Naples, on lui a interdit aussi. Urbain VI a envoyé une armée. Bon, il y avait toute l'administration qui était restée en Avignon. Ben, il est retourné en Avignon, et puis il a eu un successeur, évidemment. Alors, quand tout ça va se terminer au Concile de Constance en 1414, et qu'on va finalement élire Martin V
la famille Colonna, c'est une grande famille de Rome. Otton Colonna va devenir Martin V. Il est élu le 11 novembre. Alors, c'était la fête de Saint-Martin. Ce n'est pas compliqué. Boum, à l'unanimité, il est élu par un... Pas par le concile, je tiens à le dire. Ils n'étaient pas idiots. Ils ont fait voter tous les cardinaux. Et ça, c'était l'astuce. Les cardinaux, parce qu'il y avait effectivement trois papes à ce moment-là, dont un dénommé Jean XXIII, antipape de Pise. Bon. Ils avaient tous dit, les gens du concile, quel que soit le pape élu, ceux qui sont cardinaux, qui ont été faits cardinaux par les trois papes, resteront cardinaux. Déjà, vous aviez une majorité qui pouvait se dessiner. Et c'est comme ça qu'on a mis donc tous les cardinaux, plus quelques têtes de pont, enfin les grandes têtes du concile, mais pas tout le concile. Parce que mettre tout le concile, ça faisait du pape quelqu'un qui sortait du concile. Or, les gens qui ont fait ça avaient quand même dans la tête que, un, on était obligé d'avoir recours à un concile, mais qu'il fallait surtout pas tomber dans le conciliarisme, c'est-à-dire de faire en sorte que le pape soit soumis au concile. D'où un conclave. C'est un conclave élargi. Qui est le supérieur du pape? Vous posez la question. Il n'a pas de supérieur. Donc, le roi, enfin, le souverain qui représente César, on a César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu, qui soit roi de France, sacré à Reims, ou président de la République s'appelant Emmanuel Macron, oui. Dans l'idéal, il se met à genoux devant le pape. Ah bah oui, bien sûr. Bien entendu, mais ça Et donc il n'a pas forcément à nommer les évêques dans l'idéal, dans une société chrétienne idéale. Enfin, c'est un problème. Je reviens sur votre idée de gallicanisme positif. Enfin, je sais pas, c'est une grande surprise. Parce que le gallicanisme, c'est une horreur. Oui, c'est une horreur. Ce serait une horreur aujourd'hui. Ce serait une horreur. C'est une horreur à partir du moment où le souverain n'est plus sacré. C'est tout. Mais quand il est sacré, c'est un problème quand même. Non, c'est une ingérence. C'est pas un problème dans la mesure où l'évêque a la place qu'il doit avoir dans la société. Vous comprenez, si vous raisonnez avec la loi actuelle de séparation de l'Église et de l'État, effectivement, ça n'a pas de sens. Puisqu'on dénie aux évêques et à l'Église ce rôle dans la société qu'elle devrait avoir. Mmh. Bon, alors ça n'a pas de sens, je suis bien d'accord avec vous. Bon. Mais à partir du moment où on va confier à un évêque des charges qui sont des charges adjointes du gouvernement de la France. Il ne peut pas y avoir de chef en France là-dessus. Mmh. Et le roi doit avoir son mot à dire, absolument. Mais l'investiture canonique, elle est religieuse et elle n'appartient qu'au successeur de Pierre. S'il ne la donne pas, l'évêque, s'il veut le faire évêque, ou si le roi ne donne pas son accord, rien n'empêche le pape de faire cet homme-là évêque. Mais il n'exercera pas son ministère dans le royaume de France. Il y a un reste à l'heure actuelle dans la nomination des évêques en France, par politesse, on consulte le ministère. Alors, vous avez la règle du concordat d'Alsace-Moselle où on donne trois noms. Il n'y a pas que l'Alsace-Moselle, il y a la Guyane aussi. Oui, on donne trois noms et le gouvernement en raye deux. Il n'a pas le droit d'en rajouter un autre. Et puis vous avez des accords plus obscurs pour certaines villes, mais me permettrez de ne pas les dire. Et pour le diocèse aux armées, peut-être? Non, c'est clair, c'est le concordat. C'est comme l'Alsace-Moselle. D'accord. Trois noms et on en règle. Mais bien. Pour le reste, il y a des arrangements, évidemment, pour certaines villes, comme pour Paris. Alors, j'ai bien compris qu'il y a un gallicanisme qui trouve grâce à vos yeux. Il y a un gallicanisme, en revanche, qui est mauvais. Et surtout quand il devient, il s'oppose à l'Église, ce que vous expliquez. En fait, c'est une belle découverte dans le livre. Le jansénisme et le gallicanisme sont des causes de la Révolution française. Expliquez-nous ça. Eh bien oui, parce que, vous comprenez, ça a donné au Parlement une importance qu'il n'aurait jamais dû avoir. Le Parlement français n'est pas le Parlement anglais, ne l'a jamais été. Les parlementaires achetaient leur charge au roi, et elle était héréditaire, et ils étaient là pour rendre la justice et vérifier que les édits ou les traités étaient conformes aux lois fondamentales du royaume. Et s'ils s'écartaient de cela, le roi tenait un lit de justice et faisait enregistrer séance tenante les choses.
Le problème, c'est qu'on pouvait aussi renvoyer les juges, c'est ce que fera Louis XV avec Maupoux, mais normalement, il fallait les rembourser. Et oui, ils avaient acheté une charge, il fallait les rembourser. Et les caisses de l'État étaient vides. Ce qui explique aussi que Louis XVI a commis la seule grande faute de son régime, de rappeler l'ancien Parlement. Mais sur les conseils de tous ses ministres, hein, de tous ses ministres, il n'y en avait pas un qui a dit non. Pas un qui a dit non. Bon, voilà. Alors, donc, je reviens. C'est l'affaire de l'unigénitus. Déjà, voyez-vous, le Parlement, je vous parlais tout à l'heure du Concordat de Bologne. Quand François Ier a eu beaucoup de mal à faire accepter le Concordat de Bologne, il a fallu que le chancelier Duprat se déplace et les menace de l'exil, et peut-être pire encore, en leur démontrant, c'était un juriste de première, hein, et qui avait un... Bon, ils se sont aplatis. Bon, et ça a marché. Bon. Mais au fur et à mesure que ces messieurs prenaient de l'importance, ils profitaient de toutes les occasions, guerre de religion, changement de dynastie, pour essayer une régence. Et le dernier coup qu'ils ont fait avant d'être, c'est l'histoire de la Fronde avec Mazarin. Bon, là, ils ont trouvé à qui parler, ça a été réglé. Mais l'enclenchement, si vous voulez, du rôle politique du Parlement va venir de la mégalomanie de Louis XIV. Il n'y a pas d'autre mot, parce que Louis XIV était un homme intelligent et qui connaissait les règles de succession, et qui va placer dans son testament comme successeur possible deux de ces bâtards. Et dans le conseil de régence. J'y viens. C'est que le régent va être obligé de faire casser le testament du roi par le Parlement. Mais alors, expliquez, enfin, j'ai compris, c'est didactique, mais en quoi c'est une cause de la Révolution française ? Eh bien, déjà, vous avez le Parlement qui joue un rôle politique. Bon, puisqu'il casse le testament de la roi et qui se mêle de succession royale. Bon, bien. En fait, vous dites même que c'est une irruption, à propos de Code Alicantum différé, vous dites que c'est une irruption dans le sanctuaire. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a un mélange des gens. On est là, Quod Aliquantum, on est un siècle après, là, on est en 1791. Oui, alors on ne peut pas enjamber les choses comme ça. Bah, en fait, je suis obligé parce que le temps est raccourci. Mais... On va aller vite. Le Parlement sous Louis XIV va être quand même tenu en bride, malgré. Il va être cassé. Il y aura la régence, et il y aura l'habile gouvernement du cardinal Fleury, mais. Il y a toujours, parce qu'ils ont toujours sur la gorge l'unigénitus. C'est la dernière bulle du pape qui a été arrachée au pape par Louis XIV pour encore matraquer le jansénisme. Bon. Et ça, les parlementaires, ça passe pas. Et on fait même des procès à l'archevêque de Paris parce qu'il refuse d'enterrer, ou tel curé refuse d'enterrer quelqu'un qui n'a pas signé le billet de confession, ou qui n'a pas de billet de confession, vous comprenez. Et donc il y a un esprit revendicatif du côté du Parlement au nom comment ne pas enterrer des morts, mais c'est manquer de charité, c'est manquer de vertu, voyez-vous. Et ça va être plus vertueux que moi tu meurs, plus rigide que moi tu meurs, et on va emprunter au jansénisme tout ce qu'il a de plus affreux, et tout ce qui est mais puritain. Et on va de plus en plus aussi s'éloigner de Jésus-Christ, parce qu'en même temps il y a la philosophie des Lumières qui arrive là-dedans. Vous comprenez bien que la grâce de Jésus-Christ, la rédemption, s'en fiche, mais on ne retient que cette espèce de dureté et cette critique du roi et cette critique du pape. Le pape, le roi, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes les purs et les durs, voilà. Et voyez-vous, on peut dire que Robespierre, d'une certaine façon, c'est un janséniste non chrétien. Et le règne de la vertu, le règne de la vertu ou la mort, c'est ça l'aboutissement, finalement. En fait, donc, le gallicanisme, qui pouvait être une chose acceptable, positive et tout, est pris à son propre piège quand on n'est plus chrétien. Parce qu'il a abandonné Jésus-Christ, voilà. D'accord. Parce que vous l'avez... Et donc, créer un monstre, en fait, la convention et l'héritage du jansénisme et du gallicanisme. C'est un héritage, d'ailleurs. Vous savez, à l'Assemblée constituante, vous avez une des grandes gueules de l'Assemblée constituante qui s'appelait Camus.
et qui ont discuté déjà de la constitution civile du clergé. Et Camus a osé dire, réunis en Assemblée nationale, nous avons le droit et nous pouvons changer la religion, mais nous ne le ferons pas. Voilà ce qu'il a osé dire en 1789. Vous dites que la Convention se prend pour un concile. Ah, c'est la Constituante qui se prenait pour un concile, voilà, effectivement. Parce que, évidemment, tous ces messieurs étaient très cultivés, ça n'avait rien à voir avec nos parlementaires actuels, et il faut leur reconnaître que, aussi bien la Constituante que ceux qui ont discuté en 1905 la loi de séparation des Églises et de l'État, c'était des gens très cultivés. Il fallait voir ce qu'ils s'envoyaient à la tribune dans leurs discours, les références aux pères de l'Église, au concile, etc. C'était assez extraordinaire. On n'imagine pas ça, dans notre Parlement actuellement, non, mais autre chose. Des gens de LFI parmi nous. Oui. Vous dites à un moment, les idéaux de 89 s'attaquent sournoisement au dogme catholique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la terreur, la révolution, elle commence en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été condamnée d'ailleurs par le pape, je signale aux catholiques qui sont là, c'est que toute autorité vient de la nation. Voilà. Et ça, ce n'est pas possible. L'Église ne peut pas accepter ça. Parce que c'est au nom de ça qu'on va décréter que les évêques et les curés seront élus par tous les citoyens qui payent un impôt suffisant pour pouvoir élire. Et donc, que vous soyez catholique, protestant, juif ou philosophe des Lumières, vous allez voter pour élire un évêque ou un curé. Ben non. Parce que ça vient des droits de l'homme. Et dans le bref Quod aliquantum, que Piscis va lancer en mars 1791, eh bien, il va condamner la notion de liberté et d'égalité des droits de l'homme définie par les droits de l'homme. Ce n'est pas le principe de l'égalité et de la liberté, que le pape n'est pas contre ça, mais c'est la manière dont ils sont définis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Plus la constitution civile du clergé qui va aussi être condamnée. Le problème de Piscis, c'est qu'il va mettre... Le roi va être obligé de signer fin juillet 1790, et le bref Quod aliquantum va arriver en mars 91. Il y avait un décalage, mais c'est pas de la faute. C'est compliqué, il y aura une conférence à faire là-dessus, mais je pense que Piscis, malheureusement, l'a payé très cher, et je pense que c'est un pape qu'on devrait proclamer martyr et saint, parce qu'il est mort dans des cachots de Valence, en France. Et c'est pas un cachot, dans une maison. Il était déporté, mais c'est pas un cachot. Oui, mais enfin, on l'a fait passer, vous, un homme qui avait 80, il était mourant. 81 ans, on lui a fait passer les Alpes en civière. Non, c'est très mal. Il avait demandé au général qui était là, laissez-moi mourir à Rome, et l'autre lui a répondu, on peut mourir partout. Quelle honte. D'ailleurs, Piscis, au consistoire, canonise quasiment Louis XVI. Qu'est-ce que vous en pensez? En conclave, il l'a dit. Il l'a dit deux fois. Il a dit ce roi est mort en haine, par haine de la foi catholique. Et il a célébré lui-même la messe de Requiem. Et il l'a dit deux fois. Et après, c'est resté parce que ça posait un problème politique et ça en pose toujours. Mais. Donc là encore, est-ce que le mélange des genres entre politique et religieux, il nous pose un plus de problèmes qu'il n'en résout à l'Église? Non, vous expliquez très bien que la révision du procès de Jeanne d'Arc est souhaitée par le politique et pas par le religieux. Il y a un moment quand on mélange les choses. Non, j'ai pas écrit ça. Non. Pas loin. Non, mais attendez. Le pape, il était aussi politique, le pape. Ah bon. Il avait en face de lui un Charles VII, qui évidemment avait intérêt à faire réviser le procès de Jeanne d'Arc. On ne peut pas être roi très chrétien et sacré et être venir à cause d'une sorcière. Bon, seulement le procès avait été fait par des ecclésiastiques. Il ne pouvait être cassé que par un tribunal ecclésiastique. Alors, il y avait la pragmatique sanction aussi. Alors, le cardinal d'Estouteville, qui avait les pleins pouvoirs, il est arrivé en France, il est très bien accueilli, et puis on a fait discrètement savoir à Charles VII que pour réviser un procès, il faut toutes les pièces. Et elles étaient à Rouen. Et Rouen est un dernier bastion qui était tenu par les Anglais. Et quand Rouen a été libéré, Charles VII a pu y aller, et à ce moment-là,
comme par hasard, eh ben, c'est là qu'on a envoyé l'ambassade de Destouteville. Et on a fait savoir aussi au roi qu'on voulait avoir une sorte de négociation globale et qu'on était plein de bonnes intentions. Il fallait rétablir l'Église de France en bon rapport avec la papauté. L'Église qui est en France. Comment ? Vous avez fait un lapsus, vous avez dit l'Église de France. Oui, l'Église en France, oui. Mais là, elle était devenue l'Église de France du fait de la pragmatique sanction. Parce que le pape commençait à la condamner. Et alors on dit à Charles VII, mais attendez, vous savez, on vous a mis à la preuve, c'est qu'on va réhabiliter Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc, Charles VII, à ce moment-là, n'a pas aboli la pragmatique sanction. Il l'a suspendue. Tantôt il l'appliquait, tantôt il ne l'appliquait pas. Et Louis XI va promettre de l'abolir. Quand il arrive sur le trône à 38 ans, il avait attendu un moment, d'ailleurs il trouvait que ça... Il était fâché avec son père, vous savez, donc c'était pas facile. Il arrive, il devient roi, il a en face de lui un pape extraordinaire, Pie II, Silvius Piccolomini, Ennéas Piccolomini, le plus grand humaniste de l'époque. Là, il n'y a pas de problème, il abolit la pragmatique sanction. Après arrive un Forban, du nom de Paul II. Il ressort la pragmatique sanction. Sixte IV, il ressort la pragmatique sanction. Et vous, Louis XI va jouer habilement de cela. Voilà. Et Louis XII, qui va avoir affaire à Jules II, lui refera le coup aussi. Voilà. Il faudra attendre François Ier, et bon, Marignan, et Léon X, qui est un homme très habile, qui va dire, bon, ben voilà, il a vu à souffrir de Jules II. Et de... Bon, on va faire la paix avec la France et on va signer le Concordat de Bologne. Voilà. Donc, la Révolution a fait exploser les choses, mais comme vous le dites, les causes sont plus profondes. Il y a eu des tentatives de réconciliation, de lune de miel. Effectivement, 1848, ça c'est une surprise, c'est plutôt positif pour l'Église. Quand même, il faut bien dire, aussi, puisqu'on évoque la Révolution, parce qu'on est souvent injuste avec Napoléon Bonaparte, il a quand même, en l'espace de 2 ans, il est arrivé au pouvoir en 1799, et en novembre 99, Brumaire, en décembre, au palais du Luxembourg, il reçoit Ide de Neuville, l'envoyé du comte d'Artois, pour faire la paix en Vendée, et il prend des contacts déjà avec Pie VII, qui va être élu au conclave de Venise, et il va lui proposer le concordat qui sera signé en 1801. Bah, c'est un peu difficile à Saint-Roch, compte tenu des trous dans la façade qu'il a fait en Vendémiaire, c'est compliqué de dire du bien de l'usurpateur. Bah, je reviens, moi je ne l'appelle pas l'usurpateur. Alors on va parler d'un autre usurpateur, le colonel de Gaulle. Je ne suis pas d'accord non plus. Je sais. En fait, c'est ma dernière question. Vous passez très, très rapidement en une phrase sur la période 40-44. Vous expliquez pourquoi. Vous ne parlez pas de maintenant. Mais malgré tout, est-ce que depuis le ralliement, qui est un peu une catastrophe pastorale, même si... Au début du XXe siècle, plus de la moitié des missionnaires catholiques dans le monde étaient françaises. Mais l'Église de France avait un rayonnement. Alors me dites pas que le ralliement... Non, me dites pas ça. L'Église de la fin du XIXe siècle, elle avait une autre tête que celle d'aujourd'hui. Oui, mais c'est grâce au sang des martyrs de la Révolution, c'est pas grâce à Rome. Non. C'est grâce au concordat napoléonien et au fait que l'Église a retrouvé sa place dans la société. L'Église avait sa place dans la société, elle était respectée et ça a porté ses fruits. Le rôle de l'Église catholique, c'est pas d'être dans les catacombes. Non, je suis bien d'accord. Mais donc, il y a quand même eu des... ma dernière question, c'est ça. C'est, malgré les condamnations de la F, grâce au ralliement, malgré l'union sacrée des religieux dans les tranchées, est-ce que, à cause de la décristianisation générale, la politique, la relation du Saint-Siège et de Paris se fait moindre, se fait plus discrète? Est-ce que la diplomatie vaticane, maintenant, elle ne joue plus que par une espèce de magistrature d'influence
discrète, sans triomphalisme. La diplomatie vaticane, elle a quand même fait son œuvre, puisque grâce au cardinal Lustiger, c'est la seule chose que je, seule incursion que je ferai dans les temps modernes. Et je ne parlerai pas de Vichy. Non, j'ai bien compris. Je ne veux pas en parler. Bon, mais je ne vous demandais pas d'en parler, je vous demandais juste si l'attitude de l'Église face à une France, c'est un peu ce que dit pape François en disant je ne comprends pas votre pays. Est-ce que ce pays qui est devenu né de l'Église ingrate ou infidèle ou je sais pas quoi, est-ce que le Rome ne s'est pas un peu retiré de cette alliance? Mais non, enfin, Rome s'est retiré. Je pense que le général de Gaulle en 58 a fait des propositions. S'il y a des historiens qui veulent un jour se pencher là-dessus, ils auront du travail, mais ça sera intéressant, mais ce n'est pas à moi de le faire. Je dis parce que, voilà, venons-en à ce qui existe actuellement. Il y a eu tout de même, grâce au cardinal Lustiger, une prise en compte des accords, de l'échange de lettres qu'il y avait eu entre le président Poincaré et le nonce Cerretti en 1923. Au moment où on a rétabli les relations diplomatiques entre la République et le Saint-Siège, où on a reconnu les associations diocésaines, sans qu'il y ait de discussion. C'est-à-dire que ça a permis comme cela à la République de dire « je ne change pas d'avis » et au pape de dire « je ne change pas l'avis de mon prédécesseur ». Mais un simple échange de lettres suffit. Et pourquoi c'est important? Parce que cet échange de lettres qui, d'après Émile Poula, j'ai encore consulté, et le Conseil d'État l'a reconnu comme tel en 2005, vaut traité international. Ça équivaut à reconnaître le caractère propre de l'Église catholique. Et ça veut dire donc, un, qu'il ne peut pas y avoir d'Église de France, mais une Église en France, et qu'elle ne peut pas être considérée comme une autre religion. Alors, le cardinal, à qui on doit beaucoup, cardinal Lustiger. On ne le dit pas assez, ça, vous comprenez. Le cardinal Lustiger, en 1994, a saisi Édouard Balladur de cette question pour aller un cran plus haut, mais sans, évidemment, sans rien modifier de la loi de 1950. Et on a travaillé à mise en place d'une instance. Ça a commencé en 1994, était signé en 2002 par Lionel Jospin et Jacques Chirac. Mais c'est Lionel Jospin qui a été la cheville ouvrière de ça aussi, qui est ce qu'on appelle l'instance de Matignon. L'instance de Matignon, c'est une instance qui est coprésidée par le Premier ministre et par le nonce apostolique, à laquelle le nonce invite obligatoirement le président de la conférence des évêques de France, l'archevêque de Paris et le primat des Gaules, et puis éventuellement d'autres évêques. Le Premier ministre invite obligatoirement le ministre de l'Intérieur, comme ministre des Cultes, et éventuellement d'autres ministres. Et les problèmes se règlent à cet échelon-là. Autrement dit, le vis-à-vis du gouvernement de la République, le vis-à-vis catholique, ce n'est pas la conférence des évêques de France, on ne le dira jamais assez, c'est l'instance de Matignon. Parce que la conférence des évêques de France, certes, le nonce y est invité, mais ça n'est pas la même chose, vous comprenez que... Ça a fonctionné pendant la dictature covidiste ou ils étaient aux abonnés absents? La dictature covidiste, quand on nous a fermé nos églises, empêché de communier, empêché d'avoir les sacrements. Alors là, cette instance, elle était aux abonnés absents, a priori. Ou les évêques ont pas beaucoup réagi. Ce que je vais vous dire, je vais rester fidèle à mon principe de début. Moi, mon incursion dans le monde moderne et à la place où je suis fait que je ne vous parlerai que de cette instance de Matignon. Seulement, vous savez bien comme moi qu'une instance, une commission, quelque soit, ne peut vivre que si elle a le sentiment de faire du travail utile et d'avoir des ordres du jour qui servent à quelque chose. Or, ce que l'on peut observer, et je n'en dirai pas plus, c'est que depuis le principat de M. Hollande, les ordres du jour n'ont pas soulevé de grand enthousiasme.
On va arrêter. Je vais passer la main au Liban. On en est là pour l'instant. En attendant le prochain sacre de Reims, on va se contenter de cette instance de Matignon. Voilà, mais vous voyez où sont les responsabilités. Monsieur l'abbé, si ce chef-d'œuvre est intriguant, sa lecture serait beaucoup plus attrayante, je pense, pour les lecteurs, si l'on consacre quelque temps à sculpter le profil de son architecte, vous ne pensez pas ? Donc, mon capitaine a manqué de vous énumérer toutes les crises que la France a fait face, et qu'il me pardonne parce qu'il en a oublié une, la vôtre, monsieur l'abbé. Vous, d'un pasteur luthérien, élevé au ministre épiscopal d'inspecteur ecclésiastique, vous me corrigerez si je me trompe, et d'un ancien haut dignitaire franc-maçon de la Grande Loge de France, vous aviez dit ? Non, nationale française. Nationale française, d'accord. Vous êtes devenu serviteur et époux de l'Église de Dieu. Donc vous attendez à une interrogation, et elle est si simple que je me permettrai de la résumer en un mot. Pourquoi, monsieur l'abbé ? Pourquoi cette confession, cette conversion ? Pour moi, si vous voulez... Pour moi, la vraie conversion au christianisme, ça a été lourde quand j'avais 10 ans. Bon, ensuite, il s'est agi de savoir où j'allais la prendre. Il se trouve que j'ai certainement mal cherché, mais enfin, je voulais apprendre la Bible, puisque je posais des questions sur la Vierge Marie à mon père, et mon père me disait, écoute, t'as qu'à aller au catéchisme, c'est dans la Bible qu'on en parle. Mais quand je questionnais mes camarades d'école, parce que j'ai toujours été extrêmement curieux et exigeant, et j'ai pas un bon caractère, ça, je le sais. J'ai trouvé qu'on n'étudiait pas la Bible, et mes vacances alsaciennes m'ont fait rencontrer des luthériens, et donc voilà. Et vous savez, je n'ai eu de cesse, j'ai appris le catholicisme, en fait, à la faculté de théologie protestante. J'y suis entré en 1962 quand on ouvrait Concile Vatican II, et on ne parlait que de ça. Et donc j'ai appris le catholicisme là, et au fond, j'ai revu ma position sur le catholicisme. Mais j'étais aussi très bien chez mes pasteurs luthériens, ils m'ont toujours appris des choses auxquelles je crois toujours. Et d'ailleurs, je tiens à rectifier, je n'ai pas abjuré, on ne m'a pas fait abjurer, parce qu'il n'y a rien à abjurer quand on vient du luthéranisme, il y a à compléter. Parce qu'il n'y a rien d'hérétique dans la confession d'Augsbourg, il manque des choses. Donc moi, je n'ai rien eu à abjurer. Et je pensais, et je l'ai manifesté au long de mon ministère plusieurs fois, il y a des tas de preuves, pour ça dire que j'étais mal vu par l'Église réformée, je pensais que l'avenir du luthéranisme, c'était d'être la tête de pont du retour du protestantisme à Rome. C'est pour ça que j'ai tant œuvré pour les accords d'Augsbourg de 1999, sur la justification par la foi, qui nous ont permis de faire des vêpres communes à Notre-Dame le 31 octobre 1999, avec tous les pasteurs luthériens, et moi-même, et le cardinal Lustiger, encore lui. Vous me pardonnerez, monsieur l'abbé, mais cela m'intrigue, vous parlez de la Vierge. Depuis la réforme protestante, vous savez, de Martin Luther, trois nouveaux dogmes ont été déclarés dans notre Église, celui de l'Immaculée Conception, celui de l'infaillibilité pontificale et celui notamment de l'Assomption de la Vierge. Donc, cette transition, vous a-t-elle été bouleversante ou a été naturellement... Non, parce que déjà, pour Luther, l'Assomption de la Vierge, ce n'était pas un problème. Où peut être la Vierge Marie sinon avec son fils ? Donc, si vous voulez, ça, ce n'était pas un problème. La vénération mariale, elle existait chez les luthériens. Non, c'était l'Immaculée Conception. Ça, c'est effectivement... C'était la chose. D'ailleurs, quand j'ai fait mon catéchisme, j'ai refait tout le catéchisme en 2001, d'être reçu dans l'Église catholique et de promettre, alors que je croyais tout ce qu'enseignait l'Église catholique, je me dis, je n'ai pas abjuré, mais j'ai dit que je reconnaissais tout ce qu'enseignait l'Église catholique. Voilà. Dans la crypte de la cathédrale de Chartres, et devant l'évêque de Chartres et plusieurs prêtres. Voilà, c'est tout. Et puis j'ai été confirmé selon le rite catholique, j'avais été confirmé à l'Église luthérienne. Mais il n'y avait pas l'huile alors. Puis de toute façon, ce n'est pas un sacrement chez les luthériens, donc il a fallu me confirmer. Voilà. Donc, et puis après, il a fallu m'ordonner. C'est Monseigneur de Germigny qui a eu la bonté de le faire. Très bien. Ça ne se bousculait pas au portillon pour m'ordonner, vous savez. Mais ça peut se comprendre. Vous notez plusieurs différences, je vois bien, mais permettez-moi de vous citer.
Vous dites, pour que le monde croit, il faut que les chrétiens soient unis. Oui. L'unité n'est pas accessoire. Vous dites, la division des chrétiens est un obstacle à l'évangélisation. Je vous assure, je ne pense personne contestera, c'est ce qu'on rêve tous. Ce serait le rêve de tous catholiques, mais la condition inamovible et je pense qui serait indiscutable est celle de s'unir sous la seule Église de Dieu, sans laquelle il n'y a pas de salut. Et selon vous, comment y parvenir alors si les églises chrétiennes se permettent de laisser un laïc célébrer la scène ou à des non-baptisés de communier, comme vous le notez bien? C'est la raison pour laquelle je suis parti, je ne pouvais pas supporter ça, c'est tout. Et que, qu'est-ce que vous voulez, à partir du moment où vous donnez à un synode une voie délibérative, et j'ai bien compris, après les accords d'Augsbourg de 99 et le jubilé de l'an 2000, on a ressorti les indulgences, mais expliqué par Paul VI, qui ne pose aucun problème en matière théologique pour un luthérien, il y a eu un braquage de nouveau, puis alors, supporter l'Église unie, pour 2012, c'est au-dessus de mes forces. Vous savez, en 1967, un an avant mon ordination pastorale, il était question d'une Église unie déjà. Et j'avais dit à mon évêque, je ne serai pas ordonné si l'Église unie. Et donc, le jour où j'ai été ordonné, le 5 mai 68, comme il était question de promettre d'être fidèle à la confession de foi, et qu'il n'y avait pas de nom d'indiqué, j'ai demandé qu'on précise la confession d'Augsbourg. Et pourquoi? Parce que c'est la confession luthérienne. Et ça, un réformé ne peut pas l'accepter. Bon. Alors, voilà. Si bien que, moi, vous savez, je ne suis pas parjure à ce que j'ai promis le 5 mai 1968, puisque j'accomplis mon luthéranisme dans le catholicisme, comme le cardinal Lustiger disait qu'il accomplissait son judaïsme dans le catholicisme. Mais comment faites-vous pour vous battre pour la paix entre les confessions chrétiennes quand nous sommes prêts à mourir comme l'ont fait les martyrs pour ce que nous révèle le magistère de l'Église catholique? Mais il faut que les confessions chrétiennes... D'abord, il y a des choses qui ne sont pas négociables. On ne peut pas... Et ça, Luther l'avait compris tout de suite, dès 1525, la question de la messe et de l'Eucharistie n'est pas négociable. Si on ne croit pas à la présence réelle du Christ, et si on ne croit pas que le baptême est une nouvelle naissance, on peut pas négocier là-dessus. Et il y a donc toute la tradition... catholique là-dessus, et puis luthérienne, confessionnelle, bon. Puis alors, il y a d'autres choses aussi sur lesquelles il faut que le monde protestant soit attentif, c'est qu'on leur a donné une fausse notion de la vénération mariale et de ce qui concerne les saints, qui fait que là aussi, ils ont à apprendre. Cela dit, je vous signale quand même qu'il n'y a pas que dans le luthéranisme, on a à remettre les pendules à l'heure, mais moi qui... qui suis à l'office diocésain des funérailles, je me rends compte que les catholiques ne savent plus rien en matière de prière pour les défunts et de messe pour les défunts. On vous demande des messes sans communion, par exemple, vous comprenez ? Mais sans Eucharistie. Voilà. La messe pour les défunts, certains de mes confrères n'hésitent même pas à dire, oh, mais c'est une bénédiction, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et la question de la mort est une question capitale. C'est un enjeu fondamental pour l'évangélisation d'aujourd'hui, voyez-vous. Et en particulier, l'Église catholique est la mieux placée de toutes, parce que c'est elle qui est la plus claire en matière sur la question de la mort, sur la question de la préparation à la mort, et sur la question de ce que fait l'Église pour les morts. Ça fait partie de la promesse faite à Pierre. Les portes, il n'y a pas seulement « je bâtirai mon Église », il y a les portes du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Eh bien, on a l'impression, avec le catholicisme moderniste, que les portes du séjour des morts prévalent contre elle. Comprenez ? Alors là aussi, il y a du travail. Il n'y a pas que les protestants qui ont à se convertir. Il y a aussi des catholiques. Eh bien, monsieur l'abbé, je me trompe, parce que j'ai cru vous devoir vous prendre par la main pour avoir ma question, mais vous y êtes déjà. En arrivant à la liturgie, il m'était advenu que vous faites partie des prêtres qui célèbrent In utroque usu, et donc en forme ordinaire et extraordinaire. Mais qu'en déduisez-vous de cela, monsieur l'abbé ?
Il y avait... On m'a demandé... Et je vais le faire, ce travail, de reprendre sur Vatican II, de commencer par le décret sur la liturgie. Hein, mais il ne faut pas oublier qu'il était précédé par un texte du vénérable pape Pie XII, qu'on devrait bien quand même béatifier, canoniser, parce que c'est un grand pape, Mediator Dei, qui traçait déjà des voies. Et donc, il y avait certainement des modifications à apporter à l'ancienne messe. Bon. Mais jusqu'où fallait-il aller ? Il y a une chose que je peux dire, je l'ai déjà dit, écrit maintes fois, ça surprendra personne, depuis tant pis. La traduction de 1969 est une horreur. C'est une version latine pourtant simple. Un élève de 5e, on ne lui aura même pas mis la moyenne. Une traduction qui vaut rien. Mais regardez tout le temps qu'on a mis pour arriver à... Bon, Marie n'était plus bien heureuse, et là encore, on n'a pas voulu traduire ce que Paul VI avait pourtant écrit, qu'elle était toujours vierge. Bon, est-ce que vous croyez que c'est innocent aussi d'avoir... Veredignum et justum et cum et salutare. Il est vraiment juste et bon. Mais c'est un aplatissement complet du texte. Équitable et salutaire, ça a un sens tout ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer ici, mais enfin ça a tout de même un sens. Et puis il y a tout de même, maintenant qu'on a corrigé et qu'on a mis ce que Paul VI avait vraiment écrit, et qui est très bien, il reste un problème qu'il faudra expliquer aux gens, et c'est ça qui bute, c'est la question des prières d'offertoire, qui sont remplacées par des bénédictions juives. Elles n'ont rien d'hérétique, mais ça pose un problème. Enfin, les gens ne savent plus ou ont perdu la dimension propitiatoire du sacrifice de la messe. Il faut quand même se souvenir, et ça c'est quelque chose qu'on a étudié, en particulier les protestants, parce que le Concile de Trente, évidemment, je pense qu'on le connaissait mieux que les catholiques. Bon. Le Concile de Trente a dit dans ses anathèmes: si quelqu'un dit que la messe est simplement un sacrifice eucharistique, qu'il soit anathème. Personne ne peut réformer ça, chers amis. Alors quand on disait au début de la messe, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que... c'est parce que Paul VI a écrit. Il a écrit, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères. Parce qu'il y a les quatre sens de la messe. Il y en a trois à la trappe. Alors on s'étonnera après qu'il y ait des problèmes, mais théologiquement, vous comprenez, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et il faut déjà commencer par traduire ce que le pape a dit. Laisse un mystère. Il n'y en a pas qu'un. Et même, il y a un concile, le concile de Trente, qui anathématise ceux qui réduisent à un. Alors on s'assoit sur le concile de Trente. Je ne suis pas du tout intégriste et je dis qu'on a le tort de Mgr Lefebvre, c'est d'avoir désobéi au pape. On ne doit pas, personne ne peut juger le pape, les cardinaux peuvent poser des questions et le pape est libre de leur répondre ou de ne pas leur répondre. Ne vous emportez pas, le Saint-Sacrement est présent, monsieur l'abbé. Je ne m'emporte pas, mais cette l'obéissance au pape, elle est fondamentale. Il n'y a pas de catholicisme sans pape, quel que soit le pape. C'est tout. D'accord. Ça doit être clair, ça. Parce qu'on ne peut pas... quand on dit que l'Église est militante, elle combat, elle a à sa tête un chef. Et le chef, c'est le pape. Voilà. Alors, il y a peut-être quelquefois des moments difficiles à passer. Quand il y a eu la crise moderniste, par exemple, et que les exégètes en ont pris plein la figure, bon, bah, vous avez à l'école de Jérusalem le père Lagrange qui a su se taire. Et puis voilà, et puis les œuvres du père Lagrange sont passées à la postérité dans l'Église catholique, et ça n'a pas créé de schisme. Il n'y a rien de pire qu'un schisme. Celui qui prend la responsabilité d'un schisme prend une terrible responsabilité. C'est une route qui mène droit à l'enfer. Et enfin, monsieur l'abbé, pour achever cette longue thèse sur les rois de France, les papes et les vicissitudes dont vous parlez, à votre avis, la France a-t-elle besoin d'un roi ? Il y a un préalable à la question.
c'est qu'il faut qu'elle redevienne catholique. Et ce n'est pas en ayant une population qui pratique entre 1,5 et 2% qu'elle peut avoir un roi. On a les dirigeants qu'on mérite, vous savez. Et je pense que la France a les dirigeants qu'elle mérite en ce moment. Sur ce, je vous dis ita missa est. Ah, j'en ai pas encore prêtre. Comme on est très en retard, je vais vous poser, on va pas faire de questions de la salle, mais vous pourrez discuter avec le père dans la salle du calvaire, autour d'un verre et autour des livres que vous aurez achetés auparavant et, fait dédicacer. Je vous pose les dernières questions traditionnelles du questionnaire à la Proust avant la prière. Quel est votre livre de chevet en ce moment ou celui que vous conseillez ? Ah ben moi je lis beaucoup Salluste et Tacite. J'aime bien ce sont des gens sérieux. Quel personnage historique vous inspire le plus ? J'ai un grand amour pour Louis XVI. Le mot que vous aimez le plus ? Le mot que vous aimez ? C'est une personne, c'est Marie, c'est la Vierge Marie. Quel est le trésor que vous voulez laisser après votre mort ? La foi en Jésus-Christ, seul sauveur et seul médiateur. Et une fois mort, quand vous serez face à Dieu, qu'est-ce que vous attendez qu'il vous dise ? Qu'il me pardonne mes péchés. Merci beaucoup.